s'agissant des propos... Oh, introductif en début d'après-midi, en conclusion de ce pacte. La Lorraine, pacte de 300 millions, je trouve que ça n'a aucun sens. Ce pacte, nous, on y croit. Nous, on va le mettre en œuvre. Et vous verrez que le moment venu, lorsqu'on retournera devant les électeurs, eh bien les électeurs pourront constater en 2015 donc, que ce pacte a été efficace et que ceux qui l'ont voté ont eu raison de le voter. On est extrêmement déçus de voir que la région n'avait pas de marge de manœuvre. C'est un pacte qui a été décidé à Paris, qui a été décidé autour du Premier ministre, et alors que le souhait des Bretons, c'est de décider ici d'une autre orientation du modèle agroalimentaire en particulier. Dans le pacte, puisque pacte il y a, on doit répondre aux questions qui ont déclenché la colère et qui sont l'expression d'un vrai malaise, de vraies difficultés. Répondre aux difficultés et non pas répondre à côté de la plaque. Le pacte d'avenir doit avoir une priorité, c'est bien d'aider à l'installation.